Salut à tous, c'est Ralga pour un nouveau regard dans le rétro. Donc on est toujours sur Street Fighter X Mega Man, donc blabla Capcom, sorti en 2012 pour les 25 ans de Street Fighter et Mega Man. Donc on reprend là où on en était, donc je reprends ma petite anti-sèche avec le mot de passe. Voilà, je l'ai retrouvé. Système de mot de passe qu'il n'y avait pas d'ailleurs dans la première version du jeu. Mais les gens se sont plaints parce que c'était beaucoup trop dur. Bref, aujourd'hui on va faire le niveau de Rolento. Donc Rolento, personnage très peu connu en fait. Il est apparu dans Street Fighter Alpha. Mais à la base, c'est un personnage d'une autre série de Capcom qui est Final Fight. Un beat'em all... Ok. Ceci était un fail. Bref, je disais... non, faut que j'y aille avec le rayon. Donc Rolento, personnage d'une série de beat'em all Final Fight. Genre qui n'a plus du tout la cote maintenant. Hein, un peu comme le jeu de plateforme d'ailleurs, hein, sauf exception. Mais c'était une série phare de Capcom à la fin des années 80, début des années 90. Allez, donne-moi la vie. Donc, la série des Street Fighter et la série des Final Fight se passent dans le même univers. Donc, il y a eu des crossovers de personnages dans les deux jeux, quoi. Enfin, dans les deux univers. Dans les deux séries de jeux, ouais, je vais y arriver. Donc là, niveau assez relou. Notamment ces espèces de tourelles de je ne sais pas quoi là. À quoi je vais y aller? Enfin, je suis obligé d'y aller au rayon, hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, le rayon rouge qui est l'arme de je ne sais plus qui, de Viper, et l'arme de Dalsim avec les flammes sont quand même les deux plus intéressantes. Hein. Enfin, je sais qu'une personne me contredira et qu'elle trouve l'arme de... Comment il s'appelle? De Blanca, avec les pastèques très utile, mais moi j'y arrive pas. Salut Yakipon. Donc là vous dites, quoi, il est déjà arrivé au boss? Bah non, il y a une phase de d'ascenseur qui est très facile avec l'arme qu'on a récupérée dans le niveau d'avant, qui fait qu'on... Voilà. Hop. Bon, par contre, faut essayer de l'économiser un peu. Pour en avoir assez pour le boss, hein, évidemment. Bah du coup... Ouais, bah je vais aller au boss directement. Mais débile. Voilà. Je voulais le tuer pour en espérant qu'il me donne quelque chose, mais en fait, non. Donc voilà. Rolento. C'est un espèce de militaire avec. Qui est sur un pogo stick. Enfin. Qui a une espèce de bâton qui lance des grenades. Et qui du coup est extrêmement sensible avec à l'arme de Rose. Ah, dommage. Bon, vous voyez, j'y suis allé à l'arrache, j'avais deux tiers de ma vie et était presque mort. Hein, donc je vais essayer de pas faire trop de la merde quand même. Voilà. Et en plus, il a la bonne idée de venir au corps à corps, donc forcément, il prend cher. Ouais, mais moi je prends cher aussi. Hop. Et voilà. Ah, j'ai pris cher quand même sur la fin. Donc, bah, niveau fini, déjà. Je suis assez surpris parce que celui-là, je l'ai pas beaucoup pratiqué. Beaucoup moins que certains autres, en tout cas. Bon, j'y ai perdu de vie quand même, mais voilà.
Et donc je récupère le Minesweeper. Donc je lance des mines, quoi. Arme qui peut avoir son importance, mais... On va voir. Donc, nouveau mot de passe. Hein. On est déjà à 6 boss tués sur 8. Donc, il reste Ryu et Urien. Mais, on va arrêter la vidéo ici. Et bah ouais, faut quand même laisser durer le suspense. Et aussi que je m'entraîne sur le niveau suivant. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Evasound sur Facebook, Twitter, YouTube, évidemment, Steam. N'oubliez pas Yakipon tous les mardis soirs pour League of Yakipon. Et puis, bah voilà. Ciao !